nous avons réalisé pour enduire les murs isolés en paille sur le chantier que je vous ai expliqué auparavant. Nous commençons par avoir une bétonnière. Nous la branchons et l'allumons. La recette de cet enduit est très simple. Nous allons commencer par mettre 20 litres d'eau. Alors nous parlons toujours en volume. Donc là nous commençons par 20 litres d'eau auquel nous allons rajouter 40 litres de terre tamisée. Le liant de l'enduit, c'est l'argile qui va être contenue dans la terre. Il faut savoir que toutes les terres sont différentes et qu'un enduit, donc un corps d'enduit comme nous réalisons aujourd'hui à la terre, ne sera pas effectué avec les mêmes dosages en fonction des zones géographiques sur lesquelles nous nous situons. On a 20 litres d'eau, 40 litres de terre. La prochaine étape, c'est de rajouter ce qu'on appelle la charge. L'argile, c'est le liant. La charge, ça va être le sable et les fibres que nous allons incorporer, qui vont permettre du coup de structurer l'enduit et d'éviter notamment son retrait lorsque l'enduit va sécher. Ici, nous allons mettre 3 cm de corps d'enduit, donc nous allons avoir environ 3 mois de séchage pour que le corps d'enduit puisse être sec et puisse après accueillir l'enduit de finition. Une des raisons pour lesquelles nous réalisons ce corps d'enduit, c'est pour des raisons écologiques. L'argile, c'est un liant qui nécessite aucune cuisson et une extraction ici locale avec une énergie grise très très faible. Si on veut être cohérent sur l'ensemble de l'enduit, le sable doit être minimisé parce que le sable a un impact écologique aujourd'hui non négligeable à l'échelle planétaire, notamment à cause de la réalisation de béton avec du ciment qui nécessite beaucoup de sable. Nous allons donc pour cela rajouter beaucoup de fibres qui vont vraiment permettre de minimiser la quantité de sable à intégrer dans l'enduit. On continue juste sur le résultat de tout ce mélange. Et voilà, Lucie va pouvoir y mettre sa main, juste pour nous faire voir la texture. Oui, voilà, voilà ce que ça donne. Voilà. Merci Lucie. À bientôt. Voilà, nous avons été heureux de vous présenter cette recette d'enduit à partager. À bientôt.